J'ai bossé toute la journée et pour décompresser avec Marlo, je suis venu à bosser. Derrière moi, il y a la maison du poilu. C'est une maison. Le poilu, c'est le soldat de la Première Guerre mondiale. Pourquoi poilu? Parce qu'à l'époque, en argot, ça veut dire courageux. Et là, sur la façade de la maison, on voit l'image d'un de ces soldats, dont beaucoup sont morts dans les tranchées en dehors de la France. Et derrière moi, il y a l'église. Et bosser est traversé par une route très fréquentée entre Loches et Sainte-Maur, ce qui veut dire qu'il y a de la circulation sans cesse. Mais nous, on va faire ce qu'on peut pour éviter ça lors de notre promenade. Il y a une légende que quelque part par ici, il y avait un village qui s'appelait Beseland, B-E-S-L-A-N-D, et qu'il y a quelques années, le village a disparu. Et qu'il y avait même une église, et que de temps en temps, on entend le clocher de l'église sonner sous la terre. Alors, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas pu trouver d'autres informations. Donc, si quelqu'un connaît l'histoire, merci de me raconter tout ça. Marlo, viens ici.
Ici, quelque part, il y a les vestiges du château de Faye. Ah ben voilà, ça doit être ça. Un château du... Tu viens, Marlo? Un château du 17e et 19e siècle. On l'a trouvé à Perpète-les-Alouettes, caché de la rue. Enfin, ça doit faire partie. Incroyable. Tu viens, Marlo? Marlo, viens. Oh, bloody hell. La la.
la balade Bossé fait 9,5 km. Bossé, si on regarde les vieilles cartes postales de Bossé, c'était un petit village assez paisible et joli. Aujourd'hui, trop de voitures. Mais une fois qu'on sort sur le plateau de Sainte-Maure, c'est joli. Et surtout, les parties dans les forêts. Les parties de cette balade dans les forêts sont vaut le détour, comme on dit. Voilà, Bossé, 9,5 km, et c'est l'heure de dîner. Talking of cars, I've just spotted this, whatever it may be.